Salut à tous, c'est Crazy, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 2 pour la suite de nos aventures. C'est le 21e épisode, nous sommes donc toujours en compagnie de Eric, roi de Bretagne, enfin petit roi de Bretagne en tout cas, et son épouse Béatrice de Bretagne. Donc on va continuer aujourd'hui à avancer, sachant qu'on est toujours héritier ici de notre mère, la reine Orlette, la sage, le sage c'est marqué, mais c'est plutôt la sage en l'occurrence. Et elle est actuellement reine d'Écosse, et ça c'est cool, ça veut dire qu'on va hériter de son trône dès qu'elle succombera. Pour l'instant elle est là en pleine forme, donc il reste peut-être encore 10-20 ans à traîner je pense. Mon bon seigneur, ma mission à Léon est un succès, oui donc ça c'est mon chancelier qui est à Léon en ce moment pour améliorer les relations avec contre Renaud de Léon. D'ailleurs on va peut-être le changer de place parce que maintenant je pense que les relations doivent être bonnes. Mon complice Girth a engagé des mercenaires pour jouer le rôle de bandit de grand chemin et tendre une embuscade à Aedric. Il ne survivra pas, ça ne fait aucun doute. Et oui, les routes ne sont plus aussi sûres qu'autrefois. Alors c'est vrai que j'étais en train de vouloir assassiner un personnage. Ah oui, c'est le fameux aventurier là qui menace mes terres. On va bien voir si ça marche. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça nous éviterait de nous fighter gratuitement. Alors au niveau des vassaux, je pense qu'on est bon. Ouais, non, Aedric a échappé à l'embuscade et a reconnu les mercenaires que j'emploie malgré leur costume de bandit. Donc le complot est révélé, bon ça c'est pas trop grave à la limite. Alors le bougmestre de Saint-Malo, c'est ici on va du coup. On va du coup l'envoyer là. Notre chancelier, c'est là où il y a le moins de... Enfin, où notre vassal nous aime le moins, donc on va l'envoyer ici. Très bien, sinon, ils sont tous en mission, là, nos petits amis, là. J'ai un très bon maréchal, d'ailleurs, 20, ça, c'est cool. Alors, est-ce que je peux éventuellement organiser... Tiens, je vais organiser un banquet, je souhaitais le faire récemment, là. Donc, on va faire ça, on va espérer qu'il ne sera pas interrompu. Et on a un paquet de thunes là en plus, ça c'est cool, on va peut-être pouvoir du coup construire des nouveaux fiefs ou des nouveaux bâtiments. Alors que je préparais le banquet, une troupe de jongleurs est arrivée au château, ils étaient en haillons, mais leur prestation a remporté un vif succès. Je devrais peut-être leur proposer mon mécénat, ils seront pas parfaits pour assurer le divertissement à l'occasion du banquet. On va faire ça, ça va nous faire perdre 10 en or, mais c'est pas énorme. Ouais, on va peut-être du coup améliorer les bâtiments ici. Alors attendez, ce que j'aime le plus lorsque je prépare un banquet, tiens j'ai deux fois le même message là, c'est choisir les plats qui seront servis. Il me faut acheter du chevreuil, du sanglier, du canard, des épices, du vin, de la bière, du miel pour les desserts, du fromage et peut-être un cygne ou un paon. Je dépenserai sans compter. On va faire ça, on va gagner du prestige. J'ai deux fois le message, c'est assez bizarre. Marguerite Verkludoff, ma cousine a atteint l'âge légal de la majorité, d'accord, très bien. Les préparatifs du banquet touchent à leur fin, il ne reste plus qu'à envoyer les invitations. Donc on invite l'ensemble de nos vassaux. Alors j'essaie de voir l'effet des... Donc j'ai encore le coup des mercenaires là pour assassiner l'aventurier là. Espérons que ça va fonctionner. Alors on va augmenter ouais, les tours ici à Vannes. Avec l'argent qu'on a là, autant en profiter. Nous avons réussi le complot visant à tuer Aedric, donc c'est cool. Les mercenaires ont stoppé le carrosse et tué Aedric. Les hommes ont laissé la vie sauve au cocher et ce dernier est convaincu que ses agresseurs étaient bel et bien des bandits de grand chemin. C'est parfait. Les invités sont enfin arrivés, tout est prêt, les cuisiniers ont travaillé d'arrache-pied et le château est plus beau que jamais. Bienvenue à mon banquet. Je vais aussi augmenter le camp des miliciens ici. Hop, on va faire ça. Voilà. Certains invités ne semblaient pas satisfaits de la nourriture, mais j'étais loin d'imaginer que l'un d'entre eux s'en plaindrait à haute voix. À mon grand énervement, prieur Joss n'a pas arrêté de déblatérer sur la nourriture. Si ce n'est que pour vous plaindre, taisez-vous. Donc, Roi Eric envers Prieur Joss, moins 10. Et Prieur Joss envers Roi Eric, moins 20. Super. S'il commence à faire la gueule, on est mal barré. Ouais, du coup, on n'est plus qu'à 3 avec lui. Bougmest et Lori
a égorgé un de mes serviteurs après que le pauvre homme ait malencontreusement renversé du vin sur son vêtement. Je pense qu'on va l'emprisonner. Ouais, on va l'emprisonner. On a acquis la caractéristique juste du coup. Donc intendance plus 2, érudition plus 1, opinion des vassaux plus 10. Donc ça c'est cool. Opinion du trait de caractère similaire plus 10. Roi Eric de Bretagne a réalisé l'ambition visant à améliorer son aptitude d'intendance. Je me demande si c'était lié à ça ou pas. On va augmenter les aptitudes martiales également. Quel serait un banquet sans divertissement? La dextérité des jongleurs a impressionné et captivé mes invités, ce qui m'a fait très plaisir. Donc on gagne 10 en prestige. Alors l'opinion là, elle a baissé du coup. Ouais, lui il est en tôle. Prior Joss. Du coup on va aller améliorer les relations ici à Dol. Mais c'est déjà le cas, donc à la limite... Ah non, c'est pas le cas, il est à Vannes, là, notre chaplain. On va envoyer tout le monde à Rennes, du coup. J'ai connu une ascension tellement rapide que je fais des envieux. Comment pourrait-on faire plus d'envieux dont Steren admire l'ambition du roi Eric, ma courtisane. Steren m'a supplié de l'aider à atteindre le même réussite que moi. Son admiration pour mon ambition et ma réussite ont un côté répugnant. Je vais vous aider, mais moyennant finance. Ok. Les derniers invités viennent de partir et tout le monde s'est accordé à dire que le banquet était le plus réussi de l'année. Donc je gagne 10 en prestige et tout le monde augmente de 10 son opinion envers moi. C'est parfait. Alors lui, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux le bannir? J'ai bien envie de le bannir. Là, je récupérais un paquet de thunes en plus. L'exécuter, ce sera pour peu pareil. Autant le bannir. Voilà. Du coup, on a récupéré des terres. On va les confier à un courtisan qui nous aime un peu. Mon fils, non. Brendan. Brendan, tu vas obtenir un comté. Lequel Non, c'est juste la cité de Carré en fait que je vais te filer. Voilà. Les comtés, ils restent à moi. Parfait, parfait. Donc ça c'est bon. Hop, on peut remettre le genre en lecture. Faut que je fasse quelque chose aussi pour mes mes chaplains là. Ah ouais, il y avait un truc un peu bizarre là. Ouais, je pourrais éventuellement créer un anti-pape, ça pourrait être sympa ça. Je vais peut-être pas m'amuser à faire ça maintenant. Mon puissant seigneur, ma mission à Rennes est un succès. Lors de la visite à la cour, le prieur Joss de Dol a réussi. J'ai réussi à lui faire comprendre que vous êtes un suzerain charitable. Là, magnifique. Donc il augmente de 30, ça c'est bien. C'est ce qu'on cherchait à faire. Il est toujours à moins 5 par contre. Mais ça va pas tarder à augmenter, vous inquiétez pas. Oui, alors faire un anti-pape, ça peut être sympa, mais j'ai peut-être pas trop envie de... J'ai peut-être pas trop envie de m'embêter avec ça pour l'instant. J'ai pas trop envie de m'embêter avec ça pour l'instant. Prieur Félix. Il a quand même pas mal de chances de devenir cardinal 475. Est-ce qu'on le voit ici? Non, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Les autres ont plus de chances, je pense. 788, ouais, c'est trop. Il faudrait que j'ajoute de la thune éventuellement ici. On va voir ce que ça peut... On va essayer de faire ça un peu, c'est vrai que je m'en étais pas occupé plus que ça. On va mettre un peu de pognon. Comme j'ai réussi à récupérer de l'argent là, ça peut être une bonne idée. La chance me sourit, ma femme Béatrice est enceinte. Magnifique.
On va voir ce que ça peut donner. Après, c'est vrai que les grandes puissances sont souvent gagnantes dans ce genre de petits jeux là. Ils sont à combien? 742, 707. Si un de nous pouvait devenir peuple, là, ça serait mortel quand même. Hein. Ça serait mortel. Jirek. Ah oui, ils sont déjà en train de nous dépasser là. Bon, à mon avis, ça va être difficile, je pense, de devenir cardinal. Mais on peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Ans ma mère, je regarde si elle a pas, elle chope pas une maladie. Elle est chaste, dis donc. Je ne savais pas. Voilà, toujours pas atteinte de maladie. J'ai toujours un petit coup d'œil sur le taux d'assassinat, mais bon, on va laisser faire les choses. Alors par contre, ma tante, ah ouais, je pense que je vais avoir des petits soucis avec eux là, à mon avis, avec mes tantes là. Elle, il va peut-être falloir que je m'en occupe là, parce que... Tiens, j'ai aucun complot valide pour elle. C'est marrant ça. Van Maberick a atteint désormais l'âge légal de la majorité et est devenu un grand théologien. Donc ça, c'est mon fils, c'est cool. Que j'avais marié avec une princesse du Saint-Empire germanique. Alors voyons si c'est pas un mauvais plan. Sociable, non, c'est cool. Hop. Et ça va nous faire une belle alliance avec l'Empire germanique, le Saint-Empire romain. Donc si je veux attaquer la France pour récupérer Nantes, ils seront les bienvenus. On va respecter la richesse des gens et gagner 100 en prestige. Donc ça, c'est cool. Maintenant, mon fils est marié. Il a une tête un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Il a d'assez bonnes compétences. Donc Azilis vient de naître, un enfant est né de l'union de roi d'Éric de Bretagne. Donc ce sera la sœur de Van, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Achèvement des camps de miliciens à Rennes, d'accord. Je vois, j'entends un bruit bizarre, je me dis, ça se trouve, ça y est, ma mère est morte. Mais non. Mais non. Donc c'est un grand théologien, ça c'est cool. Érudition plus 9. Ma mission à Rennes est un succès, d'accord, donc toujours pour le prieur Joss là, c'est bon, il a 45 maintenant, on va peut-être s'occuper des autres. Ok, on en est où là? Ouais, je me demande si ça vaut vraiment la peine là de... Parce que là on va rajouter de l'argent et on va diminuer, on va récupérer le pognon. Hop. C'est dommage, j'aurais pu passer juste là, mais bon, c'est pas grave. On va récupérer l'argent, puis on va continuer à la limite d'améliorer les bâtiments ici. La tour ici, taille des troupes. Ce serait bien que j'ai quelque chose pour augmenter la taille des... la taille, enfin le montant des impôts plutôt. Alors sinon je pourrais carrément créer un nouveau fief. Nous pouvons pas nous permettre. Ah oui, j'ai pas assez d'argent pour l'instant. Ouais, je pourrais éventuellement créer une nouvelle ville. On va peut-être faire ça. On va attendre d'avoir assez d'argent là. Bon, ça va nous coûter beaucoup, mais c'est pas mal, ça nous fera un vassal supplémentaire. Briac n'a pas de tuteur. On va s'en occuper. Ludolf Salian. D'accord. Je vois pourquoi ça m'intéresse, mais. Ah oui, c'était le mari de ma tante. Ok. Donc, Briac. Éduquer un enfant, on va l'éduquer par ma femme. C'est parti. J'ai beaucoup d'enfants du coup. Hein.
J'ai deux fils, trois fils et deux filles. Je suis une famille nombreuse. J'espère qu'il n'y aura pas trop de confrontations par la suite. Tiens, il a une revendication sur le duché de Carinthe, lui. Tiens. Il a hérité ça de qui, lui? De qui il a hérité ça, lui? Ah mais non, c'est pas le fils de ma femme actuelle. Ça doit être elle, je pense, qui lui a donné ce titre-là. Ne peut revenir en héritage qu'à l'issue d'une guerre. D'accord. Ouais, donc faudrait que je déclare la guerre au Saint-Empire romain. On va dire que c'est pas une bonne idée pour l'instant. Mais je pense qu'il a dû hériter ça du coup de elle. Oui, c'est ça, ouais. Parce que elle avait hérité de lui. Ouais, donc c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, pour l'instant, c'est assez loin de chez nous, donc on va pas forcément s'y intéresser. Là, pour l'instant, on s'intéresse à tout ce qui est là-haut. Et ça, on le veut. Là, je pourrais même déclarer la guerre, revendiquer cette partie-là, là. On va attendre un peu. De toute façon, on va hériter de cette partie-là aussi plus tard. Donc, il y a beaucoup de titres qu'on va pouvoir créer. Là, c'est bien parce que ma mère a réussi à récupérer le nord de l'Irlande ici. Le but sera ensuite d'unifier l'Irlande ici. Et plus tard, qui sait, récupérer l'Angleterre. Ça serait pas mal. On pourrait créer du coup le Royaume Britannia, enfin l'Empire Britannia plutôt. Ça serait vraiment, vraiment super classe. L'Angleterre, ils ont pas mal de terres au sud ici, là, c'est assez bizarre. Hein. Comme carte. L'Empire byzantin qui. Ils sont pas encore arrivés à Rome là, mais ça devrait pas tarder. Alors je sais pas si l'IA sait réparer le grand schisme là dans la campagne là. C'est qui actuellement? Chrysanthos l'ensorcelé. Il est lent, d'accord. Il est ensorcelé, c'est marrant ça. Est-ce qu'on peut pas. Ah bah si, je suis déjà. J'étais en train de me dire. Je suis déjà fiancé avec une de ses filles. Hein. Ça, c'est cool. J'avais mis le jeu en pause comme un idiot là. Ah oui, alors je voulais m'occuper aussi de mes tantes là. Pourquoi je peux pas l'assassiner elle? Parce que là, à mon avis, il va y avoir des petits conflits là, bien comme il faut. Ça serait surtout lui là. Avec les Anglais là, ça risque de péter. Bien comme il faut. Ah ouais, elle est trop éloignée en fait pour interagir. Elle est où là? Ah ouais, elle est tout là-bas, ouais, d'accord. Elle est tout là-bas, c'est pour ça que je ne peux pas la buter. C'est pas de chance. Du coup, on peut essayer elle. On va essayer de se débarrasser des futurs éventuels problèmes. Envoyer un cadeau, voilà. On va payer ceux qui vont pouvoir nous aider éventuellement. Mazé pense que je prends trop de risques avec mes frasques. Il a tenté de me raisonner pour que j'arrête de risquer ma vie. Mais c'est tellement exaltant, donc moins 15, moins 15 d'opinion. Qu'à cela ne tienne. Voilà, on va payer tout le monde là, normalement. Ça devrait être pas mal. Ouais, non, c'est trop là. Ouais, on est pas mal là, 166. Ah, c'est vraiment dommage pour l'autre là parce que. J'ai peur qu'elle me pose des problèmes. Elle est vachement trop loin, effectivement. Elle est où là? Elle est là. On va garder un œil sur elle quand même. On va garder un œil sur elle quand même.
qu'elle a une revendication faible. Ouais, ça risque peut-être d'être assez chaud quand même, mais bon, on a des alliés assez puissants, donc c'est pas mal. Je commence à croire que je plais à Princesse Dorothea. Non, 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 c'est déplacé. C'est très déplacé. Ma femme Béatrice est encore enceinte, et bien dis donc, on aura eu un paquet de gosses avec eux, là. Ma belle-fille est décédée. Ah, putain, c'est les boules, ça. C'est les boules, ça. Zut, 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 c'est la fille du Saint-Empire germanique, là. Du coup, on n'est plus allié avec eux, il va falloir que... je sais pas s'ils ont d'autres filles à marier, éventuellement. Ah, c'est franchement pas de bol, ça. Quel âge est-là ? Elle a 11 ans. Allez, c'est parti. Attendez, elle est juste comment, là ? Elle est paresseuse, ouais... sous l'emprise de l'alcool, Xonxor Arpad a parlé à tout le monde de mon complot visant à tuer Kessen Nink Duncan. Je n'aurais jamais dû impliquer cette frivogne à la langue trop pendue. Ouais, effectivement. Là, ça va pas être terrible. Alors, bah, on va arranger les fiançailles ici, à nouveau. Je veux à tout prix avoir cette, cette alliance-là. Ils sont chastes ou quoi, eux ? Bâtard légitimé. Yolande Capet. Alors j'ai des fiançailles. Tiens, je ne peux pas. C'est marrant ça. Ah si, je vais pouvoir le faire ici. Tac. Ouais, j'aurais pas d'alliance par contre. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. La tour Havane est terminée, c'est cool. Un groupe de chevaliers errants se présente à Rennes. Maël Karen les accueille et attend ma réponse. Qu'on organise un somptueux festin en leur honneur. Donc je reste sociable, ça c'est cool. On va faire ça. Je les accueille à contre-cœur. Non, on va les accueillir. Donc là, le... Kaiser du Saint-Empire romain accepte les fiançailles avec sa fille et mon fils qui vient de perdre une de ses femmes déjà à 17 ans, c'est la grande classe. Bon, elle a 11 ans elle pour l'instant, donc on a le temps de voir venir. Les chevaliers errants participent à un tournoi avec nos chevaliers à Rennes. Malheureusement, un de ces vagabonds s'enterre et est gravement blessé. Je paye ses médicaments et le renvoie. Je lui permets de rester au château le temps qu'il se rétablisse. On va... juste, je crois que je l'ai déjà, non ? Ouais, j'ai déjà la caractéristique juste. Pourquoi je perdrais 5 en prestige, là ? Bon, du coup, on va payer ses médicaments, puis on va le renvoyer. Hop. Bon, ça devrait aboutir à un moment donné, ce truc là, ce complot. Avec le monde qu'il y a là. Alors je sais pas si, ça a été rajouté récemment justement le problème de distance là. Et je sais pas si en plaçant, comment dire, mon espion par là, là. Si je pourrais éventuellement atteindre ma tante là, on va voir. Il est où lui? Il est là. Il est là. Ah non, je peux pas, vous voyez, je peux pas l'amener jusque là. Et je peux là par contre. C'est assez bizarre quand même comme système. Je sais pas pourquoi ici je pourrais et pas là par exemple. Oula, c'est quoi ce prénom là? On va l'appeler Gwenola.
C'est le nom d'une de mes collègues en plus. Là non. Ouais, vous voyez, alors il y a certaines distances où je ne peux pas atteindre, mais d'autres oui, donc c'est un peu étrange quand même. Bon, tant pis, on va le laisser là. On va laisser à Rennes pour l'instant, histoire que je ne sois pas victime d'un assassinat moi-même. Ce qui pourrait fortement être le cas. On va organiser une foire d'été, c'est parti. Ça devrait beaucoup plaire aux paysans. Tu l'as dit. Même si l'église juge d'un mauvais oeil les jongleurs, j'aime leur humour et leurs prestations lors de la foire d'été. L'un d'entre eux peut jongler avec les 9 pommes à la fois. On va gagner 10 en prestige. Et on perd 5 en piété, c'est pas grave. On a 875 en prestige là pour l'instant. Ce qui est très bon. Monsieur Zerin, depuis mon arrivée à Rennes, je n'ai jamais manqué de soldats pour renforcer les troupes postées ici. Ok. Ça c'est mon maréchal là qui m'informe de ça, qui est actuellement posté à Rennes. J'avais invité un dresseur de singes lors de la foire d'été. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que l'un de ses animaux refuse de monter sur le dos d'un cochon. Le dresseur a donné des coups de baguette aux singes, sur à quoi les autres singes ont riposté en le frappant à leur tour avec leur propre baguette. On avait déjà vu ça. Voilà votre argent, je ne veux plus jamais vous revoir ici. On va regagner le prestige. On va regagner du prestige encore une fois. On n'en a jamais assez. Donc j'ai vraiment une famille nombreuse là. J'arrête pas de me le dire, mais les colporteurs remballent leurs marchandises et les marchands démontent leurs étals. Les jongleurs, les comédiens, les artistes se préparent à partir. La foire d'été est terminée pour cette année. Tout s'est bien passé, on regagne 10 en prestige. Magnifico. Alors j'espère juste que je vais pas mourir avant ma mère par contre. Parce que c'est vraiment problématique ça. Bonne nouvelle. Ah oui, donc ça c'est le prieur Léry de Dole voit le pape maintenant d'un mauvais oeil. Enfin, plus qu'avant en tout cas. Ma tante Brendana s'inquiète de ne pas être encore mariée. Bah oui, je sais, parce que ton mari vient de mourir, ma poule. Bah on va te marier avec quelqu'un tiré au sort. Sinon je peux forcer l'ordination. Allez, on va faire ça, tu vas devenir nonne. Azenor Verk Eric, donc ma fille a atteint l'âge légal de la majorité et est devenue bâtisseur de fortune. Magnifique, donc elle va pouvoir se marier avec le prince du Saint-Empire germanique. Mon complice du Chest, Julia, a engagé quelqu'un pour scier les structures de garde-fous du balcon de Kessen. Quelqu'un va bientôt s'essayer à la chute libre. Attention en bas, donc ça c'est le plan pour tuer ma tante. Excellentissime. Donc là, c'est bon, le mariage avec ma fille et le prince du Saint-Empire romain a été accepté. Du coup, je retrouve l'alliance que j'avais perdue auparavant. Alors du coup, c'était pas forcément obligé de fiancer Van du coup avec elle. Et on a réussi à tuer ma tante, c'est magnifique. Victoire, Kessen est tombé comme un fruit pourri de son balcon quand le garde-fou a cédé sous son poids. Un accident tragique pour le moins. La gravité peut parfois être d'une cruelle réalité. Donc ça fait un ennemi en moins. S'il reste encore l'autre là, qui sera à mon avis beaucoup plus dangereuse. Donc il va falloir qu'on fasse gaffe. Sinon j'aurais peut-être pu me marier plutôt avec une princesse d'Angleterre là. Prieur Bernès de Langonnet n'est plus le tuteur de Ribald, il vient de mourir. Ça c'est un peu dommage parce que c'était un très bon maréchal. C'est dommage. Ouais, j'aurais peut-être dû marier Van à la princesse d'Angleterre plutôt. Ouais, on va changer ça, je pense. Ouais, bon, c'est pareil, il va moins m'aimer, mais bon. C'est pas trop grave, espérons que lui va accepter, par contre. Alors, j'ai des fiançailles avec Van, il accepte.
C'est cool, donc ça nous fera une alliance avec l'Angleterre et peut-être comment dire, possibilités d'héritage intéressantes aussi. Donc maréchal, du coup c'est prince de Saint-Empire là qui va le devenir. À la bonne heure. À la bonne heure. Alors du coup le. Ouais, il est toujours à 43 là, Kaiser Albrecht, le grand de Saint-Empire romain. Il est toujours à 43. C'est vrai que récemment là on a rompu les fiançailles, mais bon. C'est pas trop grave. Rivanon est un enfant illégitime de votre dynastie. Ouh là là, un enfant est né de l'union de Brendana Verkhalan et d'un père inconnu. Brendana Verkhalan. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Brendana. Ma tante. Le père inconnu, d'accord. Alors, c'est étrange ça. C'est étrange, mais bon, c'est pas trop important pour le coup. Très bien, très bien. Bon, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Ma femme est encore enceinte, nom de Dieu, de nom de Dieu. Je vais avoir une panoplie de mouflets là à garder. C'est impressionnant. Donc on se dit à la semaine prochaine les amis. Je sais que c'est triste de se laisser quand on joue à ce magnifique jeu, mais vous inquiétez pas, on revient rapidement la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude en bas de la vidéo et à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous l'avez aimé. Ça aide énormément à faire progresser ma chaîne. Donc je vous en remercie d'avance. Très bientôt, je l'avais annoncé dans la vidéo là, des nouveautés de la rentrée, je vous présenterai une nouvelle série qui sera en simultané avec celle-ci courant la semaine sur Crusader Kings. Donc avec je jouerai un royaume ou un empire beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que celui actuel. Donc ça fera deux parties bien différentes, vous verrez, ce sera très intéressant et il y aura pas mal d'objectifs à réaliser dans cette nouvelle partie. Donc vous verrez, ça sera tout aussi palpitant que la partie sur laquelle on est en train de jouer. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !